Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo sur les 1000 vaches. J'espère que vous allez bien. Alors, dans le off, il y aura de la... Du coup, là, je viens de finir de tout enrobanner, comme vous avez pu le voir dans les off, un petit accéléré précédemment. Du coup, là, je ramasse toutes les boîtes pour les vendre. On a un peu plus de 50 bottes, 60, je crois, on a 60 bottes à les vendre. J'ai pas regardé le prix. Après, on a un peu d'argent car j'ai vendu beaucoup de lait, plus de 30 000 litres de lait. Voilà. J'ai fauché 4 fois. La presse, elle est au milieu du champ parce qu'elle a buggé. Parce que j'ai un mode dedans pour remettre du filet. Et ben on peut pas la remplir, du coup j'en ai loué une pour finir. On ira la vendre. On ira peut-être en acheter une si on a le temps. Et on va, grâce à l'enrobanec, on va les vendre. On va s'acheter un nouveau tracteur. Sur Instagram, j'ai fait un vote. Il y avait le choix entre un John Deere et un Fast Track. Du coup, ils ont choisi le John Deere. Du coup, on ira se l'acheter juste après, une fois que j'aurai vendu le premier plateau de bottes. Du coup, là, je suis en train d'arriver au point de vente. Alors, 40 bottes derrière le petit masset, je peux vous dire que ça le fait tirer sur toute la longueur. Vous avez qu'à voir, là, je suis à fond. Déjà, tout le poids, du coup, ça fera du bien d'avoir un nouveau tracteur. De presque deux fois plus puissant. Voilà, on va aller tout vendre. Alors, le prix, avant d'aller vendre, je vais vous faire voir le prix. Il est de 707 euros. On va tout réactiver. Bah, pour faire plus réaliste, je l'avais déchargé, c'est mieux. On va tout vendre d'un seul coup. Voir combien ça nous rapporte. Attention. Wow. Ça nous paye le jeune d'air. On peut même s'acheter le deuxième tracteur. Wow. Et ben, sans perdre de temps, on va se retrouver dans le shop. Alors, du coup, c'est tac dans mon tracteur. Alors, il y avait le choix entre ce jeune d'air qu'on va acheter et ce tac tac où c'est qu'il est. Ce fast track. On peut monter à 75 km/h. On l'achètera prochainement, pas tout de suite. Parce qu'on va pas acheter des tracteurs dans la même vidéo. Du coup, c'est celui-là. Tac, configuration. Voilà, du coup, j'ai fini de le configurer. Du coup, on en a pour 89 000 euros. 99 000 euros 500 pour l'acheter. Voilà. Après, ben, acheter. Voilà. Voilà. On va le démarrer. Je vais monter le son pour qu'on l'écoute. Volume des véhicules. Juste le temps qu'on fasse. Oh, il a un bruit. Petit gyrophare. Hop là. Il a pas lissé. Par contre, je crois qu'il a les portes un peu ouvertes. On va l'écouter juste sur le démarrage. Écoutez-moi juste ce bruit. Voilà. Bon, je le ramène. Je ramène tout ça. Je finis de vendre les bottes. Il doit avoir du lait à les vendre, je prépare tout ça. On se prépare, on se retrouve pour sulfater. A tout de suite. Du coup, là j'arrive pour désherber les mauvaises herbes au champ 104. Alors comme vous pouvez le voir, on va le mettre on va le déplier. Comme vous pouvez le voir, comme vous pouvez le voir, j'ai mis deux bennes de fumier. Il y en a encore une qui est chargée, je ramènerai ici. C'est pour répondre ici. Wow, la largeur. On va relever les rampes. C'est ouf. Ouais, bah bon, on va relever à fond. Voilà. Ah, mais ça va une allure. J'ai fait le petit champ avant de venir. Wow. C'est ouf. Je connais des personnes qui vont être contentes. Parce qu'il y a des gens dans mon internat, dans mon école où je suis. Ils avancent un petit peu sur la partie. Ils jouent 3-4 heures. Là, dans la semaine. Dans les semaines que je suis à l'école, et puis bah, quand ils travaillent,
vont être contents de jouer avec du bon matériel maintenant. Voilà, hop là. Excusez-moi pour les bruits de souris et de clavier, c'est qu'il est peut-être un petit peu près du micro. Voilà. Du coup, je vais tout désherber. Bon, le plus levé, c'est celui de base, hein. Un spécial. Je n'ai pas trouvé un mode de spécialement propre, enfin joli, enfin qu'il y avait autre chose davantage. Du coup, j'ai pas celui-là. Du coup, ouais, ça va une allure par contre. Un tour, une liste finie. Du coup, je vais faire ça. Je vais vendre les bottes. Là, je les ai pas vendues. J'ai vendu mon ancien pull V déjà. Avec ce qu'il y avait dedans. Voilà. Et puis, on se retrouve pour vendre le lait. Du coup, là, on se retrouve car j'ai vendu tout le lait. Du coup, j'avance un peu le temps pour que ça repousse l'herbe. Du coup, on a 131 000 euros et ce que je voudrais faire, c'est agrandir ce petit champ d'herbe. Avoir tout ça en herbe. Après, je pense à le revendre et vendre 40 et acheter un grand. Mais bon, on va acheter celui à la suite pour le moment. Après, au pire, on pourra toujours revendre. Du coup, 80 000 euros. Excusez-moi. Waouh. Du coup, il nous reste 50 000 euros. Je vais juste regarder un truc. On va faire un joli ensemble. J'attelle juste ça avec vous. Et après je fauche tout en accéléré. Et puis j'en finis la moisson, je pense. Accéléré. Ouais, ça a de la gueule. On va faire une super miniature, moi je vous le dis. En somme jeune d'air, plus je sais pas, on verra. Dans la moisson. Au pire, elles sont grandes. Ça fait un groupe de 10 mètres du coup maintenant. Donc je ramène tout ça, je fauche. Je ravance le temps, j'en fauche une deuxième fois, j'endaine et puis on refait de l'enrubannage pour les vendre. Pour s'acheter peut-être un nouveau champ. Du coup, là on se retrouve pour vendre l'enrubannage que j'ai fait. On va voir combien ça nous rapporte ce premier voyage. Il y en a pour 111 000 euros. Waouh! Faut 4, ça fait 400 000 euros. Moi je finis de vendre tout ça et on se retrouve pour acheter le champ. À tout de suite. Du coup, là je viens de finir de pour vendre. Vous avez vu l'argent qu'on a. Mais bon, en fait, j'ai fait un petit prêt de 10 000 euros parce que j'ai dû m'acheter la presse qui est là-bas. On va la voir. J'ai acheté cette petite crone et parce que l'autre elle merveille, je vous avais dit comme en début de vidéo. Voilà. Du coup, avec tout cet argent, qu'est-ce qu'on va faire? La petite sauvegarde. On va s'acheter ce champ. Il n'y a pas besoin de le labourer. Non, mais c'est toujours mieux. Oh, le jeu a bugué. Oh non. Ah, voilà. Pas besoin de le labourer, c'est nickel. Hop, on se l'achète. Wow. Ça fait... Je crois qu'il doit faire 3 hectares. Plus lui. 3 hectares, 2 hectares, 4, 5 hectares. Parce qu'on va le rassembler là. On aura un champ de 5 hectares. Vous vous rendez compte. Voilà. Dans le prochain épisode, le petit champ 83, je vais tout le... Pas le ressemer, le faire en bâtiment. Faire agrandir la ferme. Ça, je vais tout y ressemer. Lui, peut-être qu'on le vendra. Ou peut-être pas, on verra si on a besoin d'un petit peu d'argent, on le vendra. Voilà. Voilà. Moi, sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Excusez-moi. À la semaine prochaine, pensez à mettre un pouce bleu, à like. Excusez-moi. Pensez à liker la vidéo, à vous abonner. Et je vous dis à dimanche.